Les semaines et les mois passèrent sans que je m'en rende compte. Et pourtant, quelque chose se préparait. Là, sous nos yeux. Bon. Il est grand temps que je sorte un peu prendre l'air, pas vrai? Des semaines que je n'ai pas eu d'action. Oui, il me faut de l'action! Cette vie monotone a assez duré! Mais... qu'est-ce que... toi? Je menais une vie tranquille, hors de ma vue, Jones. Oh, je suis désolé de venir gâcher ta petite vie tranquille sans intérêt, Midas. Mais j'ai vraiment trouvé personne pour te remplacer, tu vois? Alors bah du coup, c'est pour ça que je m'adresse à toi, il faut vraiment que tu nous aides. C'est à moi que tu t'adresses. T'en es vraiment sûr, John? Oui, même si on s'aime pas, toi et moi, on va être obligés de bosser ensemble. Tu te fiches de moi? Tu me pousses à bout? Hein? Non, pas ça! Non, non! Si, Midas, tu vas venir avec moi, et tu vas retrouver ton courage, et tes... Non, je t'ai déjà dit plusieurs fois que je ne viendrai pas avec toi. Bien sûr, bien sûr. C'est toi qui le dis, ça. Moi, je te dis que tu vas venir. Débrouille-toi tout seul, Jones. Oh, Midas, si tu savais. Comme j'en ai marre de toi et tes caprices. Hein? Mais attends. Tu te fiches de moi, là. Tu sais très bien que ça ne me tuera pas. Qu'est-ce que tu cherches, Jones? La douleur, je la sens, par contre. À part m'énerver, tu cherches quoi? Bah, t'énerver justement, puis en vrai, j'avais envie de voir si t'étais encore vraiment invincible. Mais contrairement à moi, tu n'es pas immortel. Oui, c'est vrai. Ça te fait rire? Tant mieux. Parce que je vais essayer tout un tas de trucs pour te pousser à bout jusqu'à ce que tu cèdes. Et voilà le travail. Sans tes armes armantées le temps, tu n'es rien, John, et tu le sais très bien. Allez, agent Jones, retourne à ta pose donut. Et déguerpie d'ici. Oh, mais comment tu sais que je passe mon temps à en manger? Ouais, bon, c'est vrai, je suis un fonctionnaire, mais... là n'est pas la question! Me fais pas changer d'avis, John! Oh, Midas... tu céderas. Je me répéterai pas! Tu as été prévenu. Ah, je mangerai bien un petit truc, maintenant. Bon. Bonjour, messieurs, dames. Alors, je voudrais un... attends, c'est une blague. Salut, Midas! Ta commande est prête, mon garçon? Tu te fiches de moi, John. Dis-moi que c'est une blague. Mais c'est délicieux. Je vais venir te piquer tes affaires plus souvent. En plus, t'as payé pour moi. C'est génial, merci. S'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est de voir des gens manger et faire du bruit en plus. John, sors de ma vie une bonne fois pour toutes. D'accord, mais avant, il va falloir vraiment que tu nous aides avec cette boucle temporelle. Ça commence à devenir un petit peu infernal, surtout à cause des sets. Allez, je préfère m'en aller. Salut, Midas. On se revoit dans quelques instants. Qu'est-ce qui peut me gonfler, ce John? Midas fait ci, Midas Coucou. Fait ça et... non, mais dis-moi que je rêve, là. Tu rêves pas? Là, t'as dépassé les bornes. Oh, ça va, Midas. J'ai toujours aimé ta maison. Enfin, ta maison secondaire, parce que, attention, monsieur est riche. Hein? Tu vas me voir tout le temps, maintenant? Oh, mais c'est pas... jusqu'à ce que tu me dises oui. Je suis désolé, j'ai pas le choix. Tu vas venir avec moi immédiatement. T'as un peu de mal avec le mot non, toi. C'est vrai. Hein? Allez, fous-moi la paix et m'approche pas avec ce truc. Tu viendras non, de John, force. Tu m'auras pas. J'ai toujours été plus endurant que toi, John. Ah, et moi, j'ai toujours été plus intelligent. Il était censé m'emmener avec lui, là. Espèce de guignol. Allez, bon voyage dans le temps. Tu pourras peut-être pas revenir. Et je t'avais dit que je t'aurais. Degré haut de force. Ah, si tu savais comme tu me compliques la tâche. T'es le projet le plus compliqué qu'on ait eu. Non, c'est pas vrai que je me suis fait avoir comme ça. J'y crois pas. Sans déconner, quoi. John, c'est quoi cet endroit? Je... C'est toutes les réalités auxquelles j'ai... non! John! L'époque où Miosuke était avec moi... non, John, laisse-moi y retourner! Pas tout de suite. S'il te plaît, je vois pas ce que je peux faire pour t'aider. Tu le sais très rien bien qu'on a essayé, déjà essayé. Mais... là, c'est à cause de quelqu'un et tu la connais, il faut que tu l'arrêtes. John, je sais que... tout faut va travail. Mais... j'en ai marre de faire le sale boulot.
Je suis à l'agence. Merci, agent Jones. Parmi les plus belles années de ma vie, juste avant de perdre Julie. Je le savais. Oui, je savais que tu allais tout gâcher. Midas. Marie, je... Mais... C'est pas vrai. C'est donc toi qui vas combattre contre moi. Attends, attends. Ne fais pas ça. Comment tu sais que je vais détruire la boucle? Je sais que tu l'as compris. On va être grands-parents. Oui, je sais. Je te tuerai, Midas. On doit arrêter tout ça, Marie. Y'a pas le choix, et tu sais très bien que je suis venu juste pour ça. Non, Marie. Tu devras me passer sur le corps. Je trouverai comment te tuer. Tu sais très bien que c'est impossible, Marie. Et si je dois me battre contre toi, je le ferai. Je revivrai jamais la même situation. Tu vas détruire ton petit-fils. Je sais que je veux avoir un petit-fils. Mais je préfère le perdre lui que de perdre ma fille. Surprise. Tu rêves même à ça? Ah, ça brûle! Marigold, c'est pas un jeu! Ça suffit maintenant! Il va falloir qu'on empêche tout ça! Je refuse de perdre tout le monde encore une fois! Si je le veux, tu me toucherais même pas? Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Tu crois vraiment que mon but c'est de te faire du mal? Je vais empêcher toute cette souffrance depuis le début! Et vous le savez tous! Allez, viens me chercher! Au lieu d'être dans la provocation, tu ferais mieux de faire ce que je t'ai déjà demandé. M'aider à faire quelque chose contre tout ça! Ça sera un combat sans fin. On le sait très bien qu'on est de force égale. Mais je finirai par t'avoir. Tu me déçois. Pourquoi? Et profondément. Mais pourquoi, Marie? J'ai fait toujours, toujours j'ai fait ce qu'il fallait. Et ce que je pensais être juste. Peut-être que j'ai fait quelques erreurs et que j'ai sombré dans la colère parfois. Mais en attendant, j'ai toujours essayé de lutter contre ça. Ce sera le combat de ma vie. Je vois que t'es vraiment têtu. Je sais de qui tient Julie maintenant. De toi! Moi qui pensais que tu étais un homme bien. Tu écoutes ce que je te dis depuis tout à l'heure? Hein? Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Marie, m'oblige pas à me battre contre toi. Ah! Allez, laisse-leur une chance! C'est pas à la jeunesse de régler ça! Si je dois te transformer en statue d'or, je le ferai. À force égale! Essaye de me trouver avec ça. Où est-ce que t'as appris ça? Je suis à droite. Ou peut-être à gauche, ou derrière toi. On doit empêcher cette situation de se reproduire. La boucle temporelle, tout ce qui nous entoure. Arrête de jouer, Marie. Je perçois ta présence autour de moi. Je sais que tu es derrière moi. Ok, Midas. Tiens. Je ne t'oublierai jamais. C'est fait en quoi, ce truc? Mais on ne doit pas détruire la boucle. J'ai tué votre père pour vous, les filles. Je veux pas revivre ça. Ça, la mort de Julie, ce chaos. Je détruirai cette boucle coûte que coûte. À nous deux, les sept, il est temps de passer à l'affrontement final.